call sign. Salut les amis, je vous invite à me suivre sur mon Twitter, aussi également de me suivre sur Facebook, j'ai deux pages, à me suivre sur mon Skype et également à vous abonner. Et maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo les amis. Rapide, hein. Donc on verra bien, je vais arrêter la vidéo à 20 minutes. On l'arrêtera à 20 minutes. Gaëtan Néoxyde, si tu vois encore cette vidéo, enfin si tu regardes bien cette vidéo, ben j'ai Gaëtan. Pas mal. Est-ce qu'il a les... Ouais, il a toujours les deux étoiles de mauvais pied. C'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Allez. Donc les gars, je vous conseille moi de garder donc les... Donc si vous packez grâce à l'avant-première, je vous conseille de pas vendre joueur maintenant. Et de les vendre plus tard. Donc je pense pas que je suis le premier à vous le conseiller, hein. C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Parce que maintenant pas beaucoup de personnes ont des crédits. Donc pas beaucoup de personnes ont des crédits. Et dès que le jeu va sortir, quelques jours après. Oh, Coutinho, est-ce qu'il a les 4 étoiles? Il a les 4 étoiles, c'est bien. Donc je sais pas, 2 ou 3 jours après, les joueurs ont quand même des bonnes petites bases de crédits. Et là vous pourrez enfin les vendre. Donc surtout vos gros joueurs. Après les joueurs non rares, ça vous pouvez les vendre, hein, ça y a pas de souci. Les joueurs non rares, c'est pas un problème, vous pouvez les vendre. Donc les trucs comme ça, les exécutions du Bayern et tout, vendez-les aussi. Donc dès que le jeu va sortir, je vais sortir une vidéo très bientôt pour vous dire que de les vendre. Donc voilà, comme j'avais fait au début de FUT 14. Allez, et Eden Hazard. Encore Varane. Et Varane, c'est le joueur que j'ai eu le plus cette année. L'année passée, c'était Rooney. C'était Rooney plutôt. Et cette année, bah, c'est Varane. C'est Varane que je n'aimerais pas d'avoir. J'ai eu 4 ou 5 fois en quelques heures. Enfin, en quelques heures. Allez, Hazard. Kondogbia. Djuricic aussi. Pas mal. Kondogbia, ouais. On a eu 1000 crédits. Titon, ok. Donc je vais tout packer maintenant. Donc je vais faire quelques plusieurs vidéos. Parce que allez. Ainsi j'aurai déjà les joueurs. Oula, c'est bon ça, bravo. Comme ça j'aurai déjà les joueurs. J'aurai plus qu'à vendre. Dès que j'aurai le jeu, j'aurai plus qu'à vendre. Lui c'est un MOC 4 étoiles. Ouais voilà. Donc voilà, hop. Sachant que j'aurai le jeu donc le 25, donc dans 6 jours, à minuit pile. Jeune usage, pas mal. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a les 4 étoiles cette année. Ça, c'est bien ça. On a eu le maillot de la Manchester. Voilà, hop. Pourquoi je vais étendre mon pied parce que là j'ai mal. Voilà. Allez, Timo Ward. Donc ça va faire plusieurs vidéos, hein. Negredo. Pas mal. Ça va faire plusieurs vidéos. Donc là j'ai déjà sorti 4. 5 avec ça. Donc ça fera 6. Donc pour l'instant ça fait 6 vidéos en fait. Ça fait 6 vidéos. Déjà de fait. J'aurais plus qu'à les monter. Ça va pas être compliqué parce que j'ai juste à les mettre. Ouh, pas mal. Enfin, je dis pas mal, mais non. Attendez, Jeanne Mat, il est défenseur droit, ok. Défenseur droit. Ok. Donc, allez, 150 points. On est déjà... On a dépassé la barre des... Oh, Andonovic, que j'ai déjà eu. On a dépassé la barre des 15 000 points. Ça passe vite, hein, ça passe très très vite. Hop. Donc si ce serait possible que dès que j'ai fini d'avoir ces points là, sans sans vente de joueurs, encore lui, d'avoir 150 000 crédits,
sans vendre des joueurs, hein, parce que là vous voyez les 88 000 crédits, c'est les ventes rapides des doublons que j'ai. Sinon je vends rien du tout, hein. J'ai vendu un Varane ou deux, et j'ai vendu quelques doublons. Et oui, j'ai vendu Quaresma en doublon. Sinon j'ai pas vendu grand chose, hein. Donc voilà, on est passé de la barre des 4 heures, donc ça fait 4 heures que je joue. Donc il me reste plus que 2 heures. Il me reste plus que 2 heures de jeu. Donc je vais vous faire du gameplay, hein, aussi. Donc là, je vais faire un pack opening. Dès que c'est fini, je vais voir qu'est-ce que je vais avoir comme. Qu'est-ce que je peux me faire comme équipe. Et vous proposer du gameplay. Ouh, Markovic! Markovic! C'est bon ça. On va y voir comment il coûte. Comparer prix. Ouf, ouais, pas terrible. Bon, son prix va augmenter, les gars. Dommage, je l'espère. Son prix va augmenter. Allez, hop. Et je vais d'ailleurs aller voir après pour aller prendre Bale. Parce que je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai envie de le tester. J'ai envie de le tester. Donc voilà, allez. Allez, Griezmann. Donc il reste plus que 5 minutes de vidéo. Otamendi. Ok. On a eu en doublon Archavin. Joueur du Zenith. Allez. On passe. Mounian. Mounian. Ok. Ça va, c'est correct. Tant que j'ai des joueurs rares, ça va. Parce que j'ai eu beaucoup plus de joueurs non rares que de joueurs rares. En même temps, ça peut être logique, on a que 3 joueurs rares. Oh Pépé, oh Smalling, c'est bon ça. Smalling, ça va être un joueur pas cher et qui a l'air d'être vraiment bon. 1m92, 74 en physique, 80 en défense, 78 en vitesse. Donc voilà, c'est quand même correct. Après Pépé, c'est pas mal aussi. C'est vraiment pas mal. Liste, on va comparer. Voilà quoi, c'est Pépé, c'est quand même quelques crédits, hein. Ah, 3000, ouais, 3000 seulement. Bon, c'est déjà ça, et après le prix va augmenter. Donc dès que le jeu va sortir, le prix va augmenter. D'au moins, je l'espère. Enfin, logiquement, c'était comme ça l'année passée, donc pourquoi ça se ferait pas cette année. Donc, Kazir. Ok. Par contre, on a beaucoup de cartes soins. Je remarque qu'on a beaucoup de cartes soins. Allez, on continue à paquer, les gars. Oh, Willian! Yes! Willian, comment écoute? C'est bon ça, les gars, Willian. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour l'instant. Après, on verra bien. On verra bien dès que ce sera à la fin. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Donc, si je fais des ventes rapides sur les joueurs non rares et que ça coûte cher, vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein, si j'ai fait une bourde. Donc voilà. Ouais, on a eu Orion en doublon. Donc voilà quoi. Les joueurs. Ah, là c'est la première fois que ça. C'est la première fois que ça a un peu lagué. C'est la toute première fois. Ça m'était jamais arrivé avant que ça fasse ça. Franchement, l'animation des packs, c'est vraiment superbe. Je trouve que c'est vraiment superbe. Pour l'instant, j'ai même pas encore eu de gardien, enfin d'entraîneur brésilien. Oh, Matic, c'est bon ça. Matic, un de mes joueurs préférés en Barclay, à son position, avec Wanyama, Fer et Fellaini. C'est un des joueurs que j'aime bien. On avait passé, en tout cas, j'ai bien aimé. Il faut voir cette année. Donne-moi les meilleurs joueurs possibles, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi. Que je pack pas pour rien, quoi, et que je me fasse de crédit. Ah, oh, Juan Jesus. Juan Jesus. Oh, on a eu le logo de. Du Real. Ça va valoir quelques crédits, ça. Moi, maintenant, je vais mettre mon logo du standard. Mon maillot du standard. Et après, tranquille, je m'en fous. Du reste. On a eu Beto. Pour l'instant, j'ai eu que le maillot domicile du standard. Après, j'irai mettre le logo. Tranquille, pépère. Allez.
Oh, mais en parlant du standard, Vieira. Un joueur du standard. Donc voilà, lui je vais le garder par contre. Hein. Lui je le vendrai pas. En tout cas, si je le vends, c'est par bêtise, c'est par erreur. Par erreur, parce que sinon, je le vendrai pas sinon. Je vais me faire mon équipe du standard aussi également. Mais pas maintenant. Sissoko, que j'ai déjà. Donc Sissoko en milieu droit aussi. Hein. La bonne blague. Non, je fais quoi moi? Je vais le vendre en vente rapide. Les cartes rares, je les vends pas en vente rapide. Allez les gars. Allez, on continue. Donc c'est bientôt la fin. Donc là on a eu aucun joueur. On a eu que des doublons. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin les gars. De ce pack opening. Aurier, que j'ai déjà. Oh bah tiens. Bah tiens, mais. Ah bah dis donc. Mon petit Néo. Encore une fois. Le retour. Ah lol. Moraes. Arturo Moraes. En plus, il a fait une de ses gourdes. Une de ses gourdes. Une de ses bourdes plutôt. En Ligue des Champions. C'était assez terrible. Ferdinand. Ouais. Vous savez quoi les gars, on va aller jusqu'aux 10 000 points, 10 000 points et après on arrêtera la vidéo et on fera l'autre partie sera plus tard. Cor Lucas, ok, on fait vente rapide, on fait comme ça, on va jusqu'aux 10 000 points. Oh, Wenger. Arsène Wenger. Ok, on a eu que des doublons, malheureusement. Allez les gars, allez, pourquoi pas avoir du lourd? Pourquoi pas avoir du lourd? Encore? Non mais là c'est du troll. Là c'est du troll les gars. C'est vraiment du troll. Je viens d'avoir ce joueur dans le précédent pack. Et ils me l'ont remis juste après quoi. Allez. 150 points. Donc il y aura aussi un. Je vais pas parler à l'avance. Je vous préviens donc, juste de ça. Il y aura un truc spécial avec un pack opening. Donc je vous dis pas tous les détails. Mais ce sera avec. Ce sera bien. En tout cas. Je vous en dis pas plus. Mais attendez-vous à du lourd. Allez. Olé. Ok, on a eu le buteur là de Toulouse. Donc du TFC. Pas mal. On a eu Januzaj, pourquoi pas. On avait passé les 100 000 crédits les gars. 100 000 crédits. Allez. Coréa. S'il vous plaît quoi, donnez-moi un bon joueur quoi. Donnez-moi. Oh merde, bon pas grave. Donnez-moi un bon joueur qui se vend. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Hein. Franchement, je kifferais ça. Et en même temps, qui ne kifferait pas. Bon. Son. Ouais, on a eu son. Qui a toujours la 5 étoiles au mauvais pied, les gars. Après, on a vraiment que dalle. On a vraiment que dalle. Exactement comme au début de l'année passée. Nasri les gars. C'est bon ça. Je pense pas qu'il a coûté cher, mais voilà, c'est quand même un 84 de général. Le plus haut général que j'ai eu, c'est 85 je pense. C'est Sergio Busquets. Non, 86 Courtois. C'est 86 Courtois les gars. Donc voilà quoi. J'aurais bien aimé avoir avoir un peu plus on a eu le dictionnaire donc j'aurais bien aimé avoir un peu plus de meilleurs joueurs quoi. Même si c'est pas la fin, c'est pas encore la fin, mais bon voilà quoi. Allez, nous avons Schaffer. Ok, et Fesgia là je l'ai déjà eu beaucoup hein. Ce joueur là je l'ai déjà eu beaucoup.
Alors il reste 700 points les gars, 700 petits points. Et on a fini cette première partie de vidéo. Oh Rodriguez. En plus j'avais prévu de faire une équipe avec. Donc le voilà, Rodriguez. Ouais, il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien. Lui il est vraiment pas mal aussi. Dommage qu'il a pas les 4 étoiles. Banane. On a eu banane. Allez les gars, 400 points après ce pack là. On skip. Konko. On a eu Konko. On a eu Kuyt aussi. J'ai déjà eu plusieurs fois aussi. Delph aussi. Beaucoup de joueurs doublons là, en ce moment. Et dans l'avant-dernier pack, nous avons Vertonghen que j'ai déjà. Vertonghen que j'ai déjà. On va le mettre en pile. Ok, j'ai plus de place. Génial. Je vais pas faire vente rapide dessus. Hein. Je dois avoir des joueurs. Bah, Moraes, voilà. Toi, tu dégages. Hop. Je pense que ça va faire plaisir à Neo. Donc voilà, je te place. Ça va être tout pile. 150, voilà. Donc dernier pack les gars, dernier pack de cette vidéo. Et nous avons Bisevac. Ok. Et nous avons Bisevac. Donc voilà les gars. Donc les amis, cette première partie du pack opening est finie. Donc voilà, on a ouvert 10 000 points en 25 minutes. Donc on a le bilan, on n'a pas eu vraiment énormément de bons joueurs. Mais ça va, au début de flûte, c'est des joueurs quand même qui vont coûter quand même quelques crédits, donc c'est correct. Donc voilà. Les gars, moi j'espère que cette première partie du pack opening vous aura plu. Sur FIFA 15, bien évidemment. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye tout le monde.